Et bien bonjour à tous, alors, et bienvenue dans ce 13e épisode de BioShock. Je vous rappelle un petit peu ce qui s'était passé la dernière fois. Donc déjà il y avait un petit bug, le jeu avait crash en plein milieu de l'enregistrement, c'est génial. Donc je tourne celui-là exactement à la suite du précédent d'ailleurs. Je vais sauvegarder parce qu'on ne sait jamais, je prends une nouvelle sauvegarde. Voilà, au cas où je dois recommencer l'épisode, on sait jamais. Oula. Et merde, j'ai tiré et du coup ça a tiré les gens, super. Là, génial, typiquement ce que je voulais faire. Je ne sais pas. Bon. Du coup, je tourne sur vraiment celui-là à la suite. Alors, je vous rappelle qu'on avait pris toutes les photos. Faut qu'on aille rendre des photos au mec. Mais avant, j'ai quand même envie d'aller voir ce qu'il y a en dessous. Puisque en dessous, je vous rappelle que il y avait un petit passage et qu'on n'était pas allé voir. On s'est dit que c'était peut-être pour plus tard. Au final, on n'a pas eu l'occasion d'y aller. Donc, on va y aller. J'espère sincèrement que ça ne va pas rebugger. Au pire, c'était pas grave. Ah, et là, il y a un. D'accord, il y a un truc à pirater. D'accord. Du coup, on va. Donc, il y a un code visiblement et je ne le connais pas. Peut-être qu'il l'a donné pendant, un journal, mais je ne m'en souviens pas. Donc dans tous les cas on va utiliser ça. Voilà. Donc j'ai besoin de ça, de ça, de ça et de ça. Très bien. Sentez qu'il y a un mec qui va débarquer pour nous tuer ou je sais pas trop quoi là. Ok. On va prendre tout ça. On va écouter. Timmy, si tu nous donnes Fontaine et sa bande, tu seras bientôt en train de siroter une pinte au Fighting McDonald's. Mais si tu fais ta tête de mule, on te traitera comme une mule. Donne-lui un avant-goût. Comment? On a changé d'avis, Timmy? Timmy, tu vas parler maintenant? Vas-y, Suliman! Continue ton sale boulot! Ryan, il me fait pas peur! Fontaine a les moyens de me faire bien pire que tout ça! Ok, bon alors là je m'attends, en fait j'ai pris mon truc d'électricité parce que je sens qu'il y a un mec qui va débarquer. Juste là. Mais apparemment pas. Ok. Donc ça visiblement c'est un mec qui s'est fait électrocuter. Donc c'était juste pour un journal, au final je pensais que c'était pas. En fait je pensais que ça débloquait une zone en fait. C'était comme un passage secret. En fait je pensais que. Une fois qu'on avait terminé, on allait arriver par là et qu'on allait ressortir par ici. Mais apparemment non, donc ouais. Même si ça aurait été pas forcément logique, mais évidemment qu'il y avait un mec. Je vais évidemment pas utiliser l'électricité parce que sinon je vais m'électrocuter moi-même. Et c'était prévisible qu'il y a un mec qui débarque. Ok, bon. Toute la zone est maintenant donc déblayée, on va pouvoir y aller. Attends. Sentez qu'il y a un mec. Attends, je vais me protéger, je vais aller là. Là. Oui. Viens. Vas-y, lance ton truc. Merde, j'ai attrapé le chapeau, putain. Voilà. Ok, bon. Je vais pas attraper le chapeau, hein. Mais malheureusement, il est un peu couillé. Ok. Bon, du coup, allons-y. Je vais juste. Oh, on peut la pirater ? On peut pas la pirater. J'ai juste re-sauvegardé. Alors vous allez me dire, il est chiant avec ça, mais je fais ça parce qu'en fait. Pas que je me trompe de sauvegarde, hein, je sais plus à quel moment j'ai pris les trucs. Je fais ça parce que voilà, s'il y a encore un bug, j'ai pas envie de tout refaire. C'est un peu casse-couille. Voilà. Du coup, vous me verrez sauvegarder plusieurs fois, un peu comme sur Resident Evil, mais là je le fais pas parce que j'ai peur d'avoir à tout refaire, c'est que j'ai pas envie, au cas où l'épisode bug, de tout refaire. Enfin, si en fait, du coup, c'est la même chose en fait. Ok, bon. On vérifie que toute la zone est bien terminée, normalement toutes ces zones là est terminée. Par contre juste un truc, c'est qu'elle avait dit que normalement il y avait des petites filles sur cette zone là et visiblement on n'en a pas trouvé, voilà. Il n'y a pas eu de commentaire, j'ai pas trouvé le film, déjà, il n'y a pas trouvé, je viens de me dire. Et la petite sœur, je l'ai pas trouvé non plus. Donc j'avais trouvé. Ah j'ai peut-être tout trouvé d'ailleurs. Enfin, j'en ai vu combien, j'en ai vu. Il me semble que j'en ai vu deux dans la zone. Mais pas de troisième. Bon, on va juste voilà, sauvegarder avec le truc. Et puis voilà. Du coup on va pouvoir y aller. C'est très bien. Par contre, je me rends compte que j'ai plus de munitions de ça. Si j'en ai encore deux. Bon, ça va. Du coup, on va aller lui donner. Voilà, tiens, on va frapper. Je croyais que vous aviez eu votre compte. Vous avez quelque chose pour moi et mon équipage? Ou vous venez vous faire débiner? Attendez une petite seconde. Je vais faire du café. Sortir les couverts en argent. Tout ça.
Ok. Bon, alors j'ai une théorie, c'est que lui va nous envoyer des mecs. Ok. C'est bien ce que je me disais. En clair, ma théorie c'est que... Personne peut se pointer ici avec des flags. Mettez vos armes dans le pneumatique. Après je vous laisse entrer. Si c'est son prix, il va falloir le payer. Mais il ne peut pas vous prendre vos plasmides. Si ? D'accord. Donc visiblement, il faut que je laisse mes armes. Alors là, ça me fait carrément yèche parce que... Bah c'est un peu ce que j'utilise pour... Voilà. Mais de l'autre côté... Pourquoi ça m'arrange? Parce que si j'ai pas utilisé mes armes, ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément de combat. Donc ça c'est cool. Et moi ça m'arrange quand il n'y a pas de combat. Ma théorie c'est que le Wilkins va nous la mettre profonde. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Je pense qu'il a dû péter un câble aussi. Je ne sais pas comment, mais il a dû. Ok. Ah, il nous laisse quand même prendre nos plasmides. Ok. On va donc tout déposer. Voilà. Donc j'ai plus que ma clé anglaise, c'est génial. Qu'est-ce que c'est? Comme tous les fortifiants, pourquoi je ne peux pas récupérer? Alors ma théorie c'est que... Voilà. Pas bête. Il fallait cramer le truc. Alors, le pirate concentré est un déplacement des plus populaires de Hacksmart qui désamorce les circuits de recherche des systèmes de sécurité. Si vous ne gréez pas moins de circuits, vous serez remboursé. Deux plaques de surcharge en moins lors des piratages. Ouais bof, c'est pas ouf. Par contre, si une seringue d'élite, ça m'arrange un peu plus. On va d'ailleurs... Voilà. La prendre. Voilà, bon là il nous met bien au niveau son, on est vraiment au max de tout. Donc je m'inquiète pas trop. Bon du coup niveau recharge, écoutez je pense qu'on a tout. Je vais pas trop quoi prendre comme pouvoir à part voilà, balise de sécurité, mais honnêtement je pense pas qu'elle nous soit très utile. On va prendre ce pouvoir là et ce pouvoir là. Et on a encore d'ailleurs ça. Ok. Du coup il va falloir qu'on avance. Ici vous sentez qu'il va y avoir une douille assez monstrueuse. Et ensuite voilà, là c'est la fin du niveau. Ok. Je vais juste re-sauvegarder, vous allez dire, ah mais il est vraiment chiant. Ouais, bah écoutez, j'ai pas vraiment le choix, de toute façon ça prend 2 secondes. Mais j'ai vraiment très très peur que tous les fichiers soient corrompus et que je dois tout refaire. Ok, bon, ils nous mettent vraiment bien. D'ailleurs, attends, c'est quoi, on va faire ça. Voilà, comme ça on est vraiment au max. Ok. Bon, au moins j'ai mes plasmides. Donc je suppose qu'il va jouer avec les plasmides et que d'ailleurs, en plus, c'est la merde. Ok. C'était prévisible. C'est un nouveau boss. Quand votre patron s'est échappé de l'enfer, il a dit au diable qu'il revenait tout de suite, et le diable lui a répondu : bien sûr, monsieur Fontaine, je vous garde une place. Ryan a juré que Fontaine n'était plus que poussière, et vous voilà en train de faire son sale boulot. Ce qui fait de Ryan un minable et de vous un. Tu veux quoi toi? Ok, t'es molotov. Vas-y viens. Vas-y viens, attaque là. Ok. Voilà. Attends ta gueule, casse-toi. Par contre comment je vais les tuer là? Ok. Vite, donc là il y a une tourelle. Attends. Ok, on va pirater ça parce que là c'est, je vais me faire déboîter sinon. Ok, bon. Du coup, sache déjà si je pirate ça, ça va être d'une grenade. Donc là, je suppose qu'il va falloir survivre le plus longtemps en utilisant tous ses pouvoirs. Ce qui va être terrible en fait, tout simplement. Et ça va être très très compliqué. Bon, toujours est-il que déjà on a ça. Putain, limite on peut se protéger comme ça en fait. Voilà, déjà lui. C'est fait. Et il faut que je fasse quoi en fait là? Attends, il faut que je fasse quoi? Donc là visiblement je peux prendre des soins, volonté, des trucs comme ça et tout. Mais... Ah, il y a un truc à pirater. Il y a un truc à pirater je crois. Il y a une caméra. On va pirater la caméra, ok. Bon, il faut vraiment qu'on pirate tout, qu'on examine bien l'environnement et qu'on fasse vraiment gaffe. Du coup alors attends. Attends, c'est ça que je voulais faire, voilà. Putain, il me faut un truc comme ceci, voilà, j'avais pas vu. Tac, 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 et un dernier truc comme ça. Bon, je sens que ce combat va
va être carrément terrible. Ok. Il faut qu'on monte, du coup. Il faut qu'on monte et qu'on avance. C'est quoi l'objectif, du coup? Le passage vers la baie sous-marine secrète se situe dans les sous-sols des pêcheries fontaines. Utilise le plasmine incinération pour faire fondre la glace qui bloque l'entrée de la chambre froide sur la porte. Puis faites fondre la glace à l'intérieur de la chambre froide pour que le passage secret apparaisse. Ok. Donc il faut visiblement utiliser son plasmide. Pour faire tout cramer, quoi. Je vous frapperai de... Hop. Voilà. Ok, je sais pas si c'est là qu'il faut aller. Donc là, je suppose qu'il faut utiliser tous ces plasmides pour trouver le bon endroit. Bon, c'est vrai qu'ils sont quand même cool parce qu'ils nous donnent quand même pas mal de... Oh, il y a un pistolet. Oh, c'est très bien, ça. D'accord. Bon, du coup, on va essayer de tout explorer. Qu'est-ce qu'il y a ici, du coup? Le problème, c'est que ça coûte très très cher, du coup, hein, l'incinération, c'est... Ah, c'est pas si cher que ça. Oh, putain. Oh, trop bien. J'aime bien cette phase, parce que cette phase, en fait, est pas trop dure. Ça va. Oh, outil de piratage, je me dis très très bien. J'aime bien le principe de devoir tout fondre pour... Voilà. Alors, du coup, on va regarder un petit peu la zone. Donc, moi, je suis ici. Il faut que j'aille là pour, en découvrant le passage. Donc je vais essayer de vraiment tout ouvrir. Et on va utiliser ces petits passages là pour se cacher, en fait. Ça me semble être une meilleure idée. Là c'est pas là d'où je viens, non? Non, c'est où ça? Ah non, c'est là d'où je... Oui, c'est là d'où je viens. Oui, non, mais c'est là d'où je viens. J'étais en train de me dire qu'est-ce que c'est que ce bordel. Ok, ok. Donc ça, ok. Alors, faire gaffe, que j'ai l'impression que ça va être l'été, en fait. Qu'est-ce qu'il y a ici? Là, il n'y a rien, ok. Bon, donc visiblement, l'incinération va être vraiment le pouvoir très utile. Par contre, j'ai cru voir un truc. Non, attends, il est quelle heure là? Parce que je sais plus. Et ça fait 10 minutes à peu près qu'on est dessus. C'est vrai qu'on termine cette phase, en fait, pendant cet épisode. Là, déjà, on a quand même des armes, donc c'est quand même pas mal. Certes, c'est pas foufou, mais... C'est quand même pas mal. Là, on peut y aller, je suppose. Voilà, trousse de soins, très bien. Bon, ça, ils nous laissent quand même plutôt tranquille. Ils sont quand même plutôt cool. On va tout fouiller. Parce que je vais pas passer à côté de trucs. Oh, seringue DV. Attends, on va se recharger. Ok. Ah, j'ai plus de place pour les outils de piratage. Ok, donc là, on sent qu'il y a un mec qui a débarqué juste là. Alors, juste avant. Il n'y a pas un truc de soin là, je crois. Ah si, il y a un truc de soin. On va le pirater, au cas où il y a des gens qui veulent l'utiliser, enfin des chrosomes. Parce que si on le pirate, du coup, on sera plutôt tranquille après. Donc ça, c'est pas mal. Écoutez, j'aime bien cette phase, honnêtement. Bon, je suis pas du tout déçu d'avoir continué le jeu. C'est vrai que j'ai eu vraiment peur, hein, mais maintenant que je capte un petit peu plus le truc et que... Voilà. Maintenant que je suis quand même beaucoup plus attentif et que je comprends un peu mieux quand même comment marchent tous les trucs, c'est quand même mieux. Bon, ils sont quand même cool avec nous, hein. Ils ne vont pas trop laisser dans la merde. Hein. Oh, putain, je vais te tirer une tête là. C'est quoi ça? Fouiller. C'est quoi ça? Pourquoi il y a une espèce d'insigne? Je ne sais pas. En tout cas, niveau 101 DV, on est quand même... Attends. Voilà, on va juste... Voilà. En fait, on peut vraiment utiliser à foison le truc. Là, vous avez vu, là, je peux reprendre. Refouiller. Enfin, là, je suis vraiment très très bien, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à fouiller? J'ai pas l'impression. On va reprendre ça. Bon, visiblement, la sortie, elle est là-bas. Donc, c'est très bien. Ok. Bon. Donc j'ai un pistolet, c'est très bien. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc là, ça c'est l'escalier, donc faudra qu'on aille là. Donc on a la tourelle au cas où. On a ça pour rappeler des... Ouais, j'aurais bien aimé qu'il y ait des gens qui viennent là pour pouvoir appeler des drones, en fait. Visiblement, il veut pas. C'est quoi ça? On peut récupérer les armes, là? Oh, bah c'est génial, ça. D'accord, bon, ça c'était une petite phase, en fait. Et du coup, donc je suppose qu'il faut qu'on aille là. Trouver la baie sous-marine. Ok. Bon, là, je suppose qu'il y a des mecs qui vont débarquer.
qu'on se le dise. Open for business. Oh, améliorer les armes. Sélection d'une amélioration, cette machine se désactivera après l'amélioration. D'accord, donc du coup, ok. Donc là, faut bien réfléchir. On a le droit à une seule amélioration. Donc, soit on prend les dégâts de la mitrailleuse. Retour de force de la mitrailleuse, non. Cadence de fusil, non. Augmente les dégâts. Diminise le dégâts. Alors, ça, il y a celle-là qui est pas mal. Et il y a. Soit les pistolets, soit les... Franchement, la mitrailleuse, on l'utilise vraiment beaucoup. On va prendre ça. Ok. Arme améliorée. Très très bien. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres machines ici? Il n'y a pas d'autres machines. Bon, alors du coup, on peut améliorer qu'une arme par une. Alors, il faut que j'aille où là maintenant? Ok, là il y a un truc. Mitrailleuse, ok. C'était juste des munitions. Rien de bien méchant. Ok. On va sauvegarder par contre parce que on vient de faire une nouvelle phase, je vous le rappelle, donc j'ai pas envie de la refaire. Si possible, ça m'arrangerait. Et on va être à peu près à 20 minutes. Bon, faudra quand même qu'on termine cette phase, faut pas qu'on trop qu'on traîne non plus. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, ici y'a rien, c'est super. Où est-ce que je vais? Donc, visiblement, il faudrait que j'aille à droite là-bas, là. Mais je vais aller à gauche. Je vais prendre ça. Attends. Viens. Oh putain. J'ai tué avec un chapeau. De fuck. Ok, chrosome. Ah, c'est vrai que je peux. J'ai oublié de prendre en photo les chrosomes explosifs. Oui, je suis bête parce que. Ils peuvent être pris en photo eux. Ah, mais quel bolos. Bon, ça fait quand même. Une fois qu'on le prend en photo, il y a quand même des trucs. Progrès de recherche, dégâts plus, ok. C'est vrai que j'ai oublié de prendre photo cela. Bon, c'est vrai que l'appareil photo, je me demande en fait, c'est vrai que j'ai un peu du mal en fait, dans le sens où on voit pas précisément avec des points, des nombres de points, etc. Combien de dégâts tu lui fais, mais c'est quand même pratique. On va écouter. Fontaine nous met la pression, mais pas qu'un peu même. Il nous extorque 80% de notre part, et il menace de nous dénoncer à Ryan si on ne joue pas le jeu, espèce d'enfoiré. Samy G est venu nous dire qu'il irait peut-être voir la police, mais le lendemain, on l'a retrouvé dans un sac au fond du marais salant. Ici, on n'a pas le choix. Si on reste dans l'équipe de Fontaine, on finira sur la potence. Si on fout le camp, on connaîtra le même sort que Samy G. Doit bien y avoir un autre moyen. Bon, si j'étais vraiment maniaque, là, j'irais récupérer une seringue tout en haut, mais bon, faut pas déconner non plus. On va donc pirater le coffre. Et ensuite, on va pouvoir aller, donc je suppose, dans une nouvelle zone. Je sais pas si c'était vraiment un boss en fait ou juste une phase comme ça, mais écoutez, moi j'ai bien aimé en tout cas. Mais c'est très très bizarre quand même ce jeu. Bon, je commence quand même déjà beaucoup plus à apprécier qu'auparavant, parce que là c'est vrai que c'était quand même un gros caca. Qu'est-ce qu'il y a du coup? Fouiller, très bien. Bon, j'ai quand même récupéré l'outil de piratage. Bon, on va prendre ça. Je pense qu'il y a un mec qui a débarqué. Même pas. Bon. Ok, elle est fermée et là y a rien. Bon bah du coup je pense qu'on va pouvoir y aller. On se fait une dernière. Bon, je sais que je suis chiant avec ça, mais sur Resident Evil je prends une sauvegarde toutes les deux. En fait dès que je faisais une action, j'allais faire une sauvegarde en fait, parce que j'étais trop flippé à l'aide. Oh merde putain. Ah il casse les couilles avec ce jeu. C'est pas grave. Allez go. On y va. Mais y a pas un film là? Voilà, pourquoi c'est brouillé? Vous ne pouvez pas partir. Fontaine vous trouvera. Hé, j'emmerde Fontaine. Vous n'emmerdez pas Fontaine. C'est Fontaine qui vous emmerde. Donc Fontaine, visiblement, c'est un personnage qui est très très important. Je suppose qu'on rencontrera. Et qui était un peu... Je sais pas si on peut dire une sorte de Messie, entre guillemets. Pas de Lionel Messi, bien sûr. C'est très drôle, ça. C'est quoi le concept, du coup? Ouais, non, c'est ça. Ouais, une sorte de... Ouais, non, je rigole, quoi. Une sorte de Messie, en fait, et, qui était apprécié par un peu tout le monde. Et je suppose que Wilkins devait être un adorateur, entre guillemets, de ce mec.
Ah, donc ça veut dire que ça n'a pas du tout se dérouler comme il l'attend. Mais bon, je pense qu'on va rencontrer de nouveaux ennemis. Mais en tout cas, cette zone est terminée, donc ça c'est cool. Donc, prochaine zone, c'est parti. Bon, je sais du coup à quoi on va s'attendre. J'aimerais bien changer d'ambiance en fait, genre avoir un environnement qui est peut-être moins fermé, je sais pas. Et peut-être avoir la possibilité de faire plus d'infiltration. En fait, quand j'y pense, effectivement, certes, on peut faire de l'infiltration, mais sur certaines zones, honnêtement, c'était impossible. Genre, c'est dans la zone d'arrivée du truc, là. C'était pour moi impossible. Bon. Ah, donc là, ça a l'air d'être une zone quand même assez linéaire. Bon. C'est pas pour me déplaire, hein, mais... Je crois que c'était une sorte de zone de transition, je pense. Ah, la question, c'est est-ce qu'il va y avoir des prosomes ici? C'est possible. Alors, l'objectif, c'est quoi, du coup? Conseil. Non, c'est juste, il y a juste ça en fait. Ah. Ok, il y a des flashbacks. Très très bien. Je suis devant la baie sous-marine, mais je ne peux pas entrer. J'ai besoin de vous. Mon Dieu, je suis à moins de 100 mètres de ma famille. Ok. Très très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici du coup? J'entendais une machine, je suppose que c'est cette machine qui est là. Alors déjà j'aime beaucoup cette ambiance un petit peu, voilà, cette petite... En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que d'un côté ça fait très très rustique, en fait, et d'un côté ça fait très très futuriste, c'est ça que j'aime beaucoup. Je sais pas, la manière dont la pierre est taillée, j'aime beaucoup en fait. En fait, qu'il y ait une lumière posée comme ça, genre oui, normal bien sûr. Il y a un truc derrière, non? Voilà, rien derrière, bon. Déjà sauvegarde, donc j'aurais pas à retourner depuis le début, hein. Ça c'est une bonne nouvelle. Ok. Ici, à quoi? Pneumo. On peut rien faire avec. Cadavre, ok. Cigarette. On va pas du fumer. Bon, du coup, on est dans la cave inondée. Et ici, on peut toujours rien faire. J'ai vraiment envie de savoir par contre comment est-ce qu'on fait pour améliorer, pour augmenter le nombre de... Ah putain, j'ai encore un truc. Comment augmenter le nombre d'emplacements. Parce que c'est un peu casse-couille en fait. Ah. Et... Bah alors, il a pas voulu le prendre. Vous avez vu, j'ai tapé dans le vide. Ah, genre, je pourrais presque recommencer, tellement c'est casse-couille. C'est pas grave. Disons que ce n'est que passager, donc faut que je prenne ça. Voilà, bon, je l'ai piraté parce que j'ai pas envie que... Le problème, c'est que c'est temporaire, c'est que temporaire quand on l'immobilise. Donc, vaut mieux la pirater. Voilà. Comme ça c'est fait. C'est vrai que c'est con mais quand t'as une toile qui est avec toi qui a été piratée, t'as vraiment l'impression que t'es pas tout seul quoi en fait. C'est ça qui est cool. Et seringue d'élé, très bien. Bon. Déjà bonne nouvelle. On va tout fouiller. Voilà. Ok. Ici y'a quoi? Ici c'est juste une zone normale. C'est la zone qui est là, ok, très bien. Bon. On continue, il nous reste encore quelques minutes, on va... Quoique j'aimerais bien arrêter là en fait, parce que je me dis on va aller dans une nouvelle zone. Ah, il y a un journal, on va l'écouter. On est venu ici en croyant faire partie de la grande chaîne de Ryan. Mais la sienne est en or et la nôtre plutôt du genre de celle qu'on traîne aux pieds avec un gros boulet au bout. Il est là-haut dans la forteresse folâtre, en train de culbuter des mannequins. Nous, on patauge dans ce trou à vider du poisson. Avec Fontaine, on peut espérer mieux. Il est comme nous, vous savez. Mais il a jamais eu besoin de travailler. Il dit de le rejoindre à sa boîte de conditionnement à 11h. Je vais y aller avec des gars. On sait jamais. Ça pourrait empirer. Ok. Bon, du coup, Pêche Wilkins, je pense qu'il est toujours vivant. Enfin, Peach ou Pêche Wilkins, je sais pas, moi j'appelle Pêche. Je sais qu'on dit Peach, mais bon, déjà, un mec qui s'appelle Peach, moi ça me perturbe, donc voilà. Ok, on va avancer un petit peu. Putain, merde, j'ai pris trop de whisky. Merde, j'ai encore pris trop de whisky. En fait, il y a beaucoup trop de whisky. Je suppose qu'ici, c'était une sorte de zone pour les miniers, je ne sais pas du tout. Les miniers, les... Oui, non, les mineurs, pardon, excuse-moi. Une zone minière, voilà, c'est ce que je voulais dire. En fait, ce qui me fait chier, c'est que là, c'est une nouvelle zone, quoi. Le problème, c'est qu'on est qu'à 25 minutes d'épisode. Après, bon, je vous fais quand même 3 épisodes par semaine, donc... En fait, là, je m'attends à avoir un nouvel ennemi, en fait. Bon, ça veut dire qu'on le verra jamais. Bien, je crois que la plaisanterie a assez duré.
Si vous appuyez sur ce bouton, vous allez comprendre ce que c'est que d'être vraiment mon ennemi. Oh, vous voulez dire que on va aller dans un sous-marin? Oh, ce serait énorme ça. Bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que, eh bien, on va s'arrêter là, bien sûr. C'était la petite fin de l'épisode. J'attendais du coup à la vie de ta chambre. On va faire du coup un petit bilan sur ce qui s'est passé. Donc globalement, je pense que là, on va rencontrer Atlas. Enfin, il va nous dire qu'il va pouvoir l'encontrer. Mais il va y avoir un truc. Ah merde, j'ai encore pris du truc pour rien. Il va encore y avoir un truc comme quoi on va pas le rencontrer, etc. Bon. Ça, c'est assez prévisible. Potentiellement une nouvelle phase de jeu, ce que j'aimerais beaucoup. Ça m'inquiète, ça m'intrigue un petit peu, mais j'ai l'impression qu'on peut vraiment rien faire. Mais voilà, bon. C'est très bien, du coup, on a tout ça à faire. Je pense que du coup, il y aura cette zone-là dans le prochain épisode. J'ai vraiment l'impression de beaucoup plus avancer, hein, pour être honnête. Je sais vraiment pas combien de temps le jeu durera. Peut-être très longtemps, peut-être pas du tout, je ne sais pas. Toujours est-il que je m'arrête là. Merci du coup d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. Donc prochain épisode, on va aller explorer la zone sous-marine. Peut-être qu'on va découvrir une nouvelle phase de gameplay, je ne sais pas du tout. Celui-là, j'ai peut-être pas le temps d'y tout de suite à la suite. Je vais peut-être attendre un tout petit peu avant de tourner. Mais toujours est-il que je vous remercie d'avoir regardé. C'était Doru. À bientôt.